Bonjour, c'est Isabelle Morin. Aujourd'hui, j'ai envie de vous inciter à arrêter d'être trop gentil. Alors, être gentil, ça oui, continuez. Être gentil, c'est super positif. D'être agréable, délicat, de prendre soin des autres, c'est super. Par contre, c'est le trop qui m'inquiète. Le trop, euh, trop, c'est trop. Trop, on est dans l'excès. Quoi que ce soit qui est après trop, euh, c'est qu'on n'a pas trouvé le juste équilibre pour que ce soit satisfaisant. Récemment, j'ai une personne qui me partageait sa posture et qui me disait euh, Moi, je suis trop gentil. Euh, mais finalement, ça me va bien d'être comme ça. Je préfère être trop gentil que être pas assez et d'être méchant. Par contre, il y a des gens qui en abusent et ça, ça ne me va pas. Quand on est dans cette posture, on aimerait que les gens, les autres, euh, n'abusent pas. C'est-à-dire, euh, n'en demandent pas trop, trouvent la bonne limite, s'arrêtent au bon moment. Sauf que cette bonne limite, elle est difficile à envisager parce qu'elle est différente pour chacun. Alors la limite qui sera la bonne pour l'autre n'est pas forcément celle qui est la bonne pour moi. Et avec cette posture où l'autre doit trouver la limite, je laisse toute la responsabilité de trouver le juste équilibre à l'autre. Moi je vous invite à prendre votre part de responsabilité pour trouver votre propre limite. Clarifier ce que j'accepte ou ce que j'accepte pas, jusqu'où je vais pour moi et jusqu'où je vais pour l'autre. Clarifier ses limites, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Et comme c'est pas facile, souvent on a tendance à ne pas le faire. Alors au contraire, c'est justement parce que ça n'est pas facile qu'il faut aller regarder ça, qu'il faut se poser les questions, même si ce n'est pas toujours facile d'y répondre, pour cheminer petit à petit et clarifier euh, jusqu'où on veut aller, où est-ce qu'on veut s'arrêter. En les clarifiant pour soi, on va pouvoir les clarifier pour les autres, poser les choses pour les autres pour trouver un bon équilibre euh, mutuel. Récemment, j'ai observé que dans mon travail, je disais trop oui. Dans cette période qui est délicate, quand on me faisait une demande, j'avais envie de me montrer présente, réactive, je disais oui systématiquement. Et puis, je me retrouvais parfois en difficulté, notamment en termes de temps pour, euh, pour répondre à la demande. J'ai changé ma posture maintenant. Quand on me fait une demande, je regarde les moyens dont je dispose, notamment en termes de temps, en termes d'énergie, et ensuite je formule ma réponse en fonction de mes moyens. Cette réponse, ça va être soit oui soit non, soit bien souvent, c'est oui avec un petit peu plus de temps, oui sous réserve que. Et à ce moment-là, je me respecte tout en apportant une réponse satisfaisante à l'autre. Alors, est-ce que vous aussi, il y a des domaines dans lesquels vous êtes trop À ce moment-là, je vous invite, pour retrouver le juste équilibre, à définir pour vous qu'est-ce qui ne serait pas trop, à clarifier quelle est votre limite dans ce que vous faites ou dans ce que vous ne faites pas. Et une fois que cette, cette limite est clarifiée, ou en tout cas plus claire pour vous, à donner également cette lisibilité aux autres pour une relation plus équilibrée. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à la liker si ça vous a plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.